le photographe Claude Fougérolles. Il nous présentera le travail qu'il a réalisé avec le concours des habitants de Saint-Laurent-du-Pape en Ardèche. Durant un an, il les a saisis dans leur environnement familier, une façon de créer des rapprochements, mais aussi de concourir à les faire exister dans le futur. Et puis, nous découvrirons les images d'une exposition surprenante proposée jusqu'au 20 décembre à l'hôtel de ville de la Côte-Saint-André en Isère. L'artiste Luc Quinton y exprime, vous le voyez, la vision qu'il a d'Hector Berlioz, un hommage version ciseaux et pot de colle pour le célèbre compositeur dont on fête le bicentenaire de la naissance. Mais tout d'abord, cette nouvelle qui secoue. La photographie au service du rapprochement entre les citoyens, ce n'est pas une question, mais une affirmation après l'expérience tentée en Ardèche par Claude Fougérolles. Ce photographe a passé un an à immortaliser ses concitoyens de Saint-Laurent-du-Pape. Au départ, c'était pour prolonger la mémoire. À l'arrivée, c'est du bonheur pour tous. Le projet a mûri petit à petit. Après un an de travail, le rêve du photographe se réalise. Une année pour restituer le plus fidèlement possible l'âme du village à travers une exposition. Claude a collecté, répertorié, reproduit les archives photographiques de Saint-Laurent-du-Pape. Pour témoigner de la vie d'aujourd'hui, il a réalisé 168 portraits avec un souci, prolonger la mémoire et n'oublier personne. C'est bien ça. Pierre, il va se voir, il va se marrer. Tu essayes d'avancer bien ton visage pour que la lumière, voilà, on te voit bien. Voilà, là. Parce que, voilà, et Claude, il est bien, un peu trois quarts. Dans sa galerie de portraits, une photo lui tenait particulièrement à cœur. Un garagiste spécialiste de véhicules pour handicapés. Pour nous, ils ont reconstitué la mise en scène. Moi, je suis très grand, je me cogne dans les voitures, et eux, ils sont petits, et puis voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Si on parlait de l'handicap de manière très simple, on aurait beaucoup moins de clivage entre eux et nous. Voilà, c'est super, tu fais comme si tu l'assommais. Là, on est bien, là. Oui, bougez plus, ça c'est bien ça. Et Denis aussi, hein, tu l'assommes en même temps là. C'est un des plus grands plaisirs du photographe de savoir ce qu'on laisse derrière nous, hein, avant tout. C'est mettre en valeur les gens. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on vit tellement vite qu'on n'a pas le temps de faire des arrêts sur image, c'est le cas de le dire. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'est de s'arrêter à une date précise et de laisser une trace. Au-delà du témoignage, cet enfant du pays a voulu rendre hommage à sa famille. Son père, maire de la commune pendant 40 ans, sa mère, 91 ans, une figure. Voilà, je vais voir tes mains. Les mains, c'est important. Rien n'est plus difficile que de photographier sa mère, il faut le savoir. Un des sujets les plus difficiles en photo. Cette expo, ma mère ne le sait pas encore, mais je vais la lui dédier. On va mettre en place le... La photo les représente en été. Sous le ciel d'orage, les boulistes étaient un peu moins nombreux. Mais certains ont rejoué leur propre rôle devant notre objectif. Vous allez voir, c'est que moi quand j'étais tout gamin, je venais leur servir des canons ici au boule. Ils s'en souviennent d'ailleurs. Hein. Alors, je vais donner deux paires de boules, il faut que ce soit naturel. Putain. Voilà. Mais ça c'est bien là, vous regardez bien là, Jean-Claude aussi, là c'est du, oh, c'est du tonnerre ça. Là, c'est une image très importante parce que c'est la vie du village. Avant Saint-Laurent, il y avait 17 bistrots, maintenant il n'y en a plus qu'un. Mais la vie du village, elle est sur le terrain, ouais, constamment. Alors, les boules, c'est pour moi un endroit vraiment où les gens se rencontrent. C'est tous des copains, ça, depuis des années, ils sont là. Et moi, tout gamin, je suis toujours venu ici, donc pour moi, c'est un retour aux sources. Hein. Donc les boules, c'est une image que je ne voulais pas rater. Voilà. Très bien, les autres, ils me regardent, engueulez-le avec les bras, là, Jean-Claude. Ça va pas, ça, ouais, alors. Voilà, l'auteur de ce travail est avec nous. Claude Fougérolles, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci. Sylvie Adam, qui a réalisé ce reportage, disait au début du reportage que vous recherchiez à retrouver l'âme de ce village et de la définir. Comment est-ce que vous la définiriez d'ailleurs aujourd'hui? L'âme du village, ben, ce sont les papins, c'est comme ça qu'on appelle les gens de Saint-Laurent-du-Pape. Hein. C'est les papins et leur passé, puisque à travers cette exposition, je voulais qu'il y ait le portrait de tous les gens qui ont un rôle actif dans le village, ainsi que le passé par les vieilles cartes postales et les vieilles photos de classe pour que les gens y retrouvent vraiment leur compte et passent un bon moment. Alors, est-ce que tout le monde s'est prêté au jeu ou il y a eu quelques récalcitrants dans l'histoire? Pratiquement tout le monde, oui. Il n'y a pas eu beaucoup de mal parce que d'abord, les gens me connaissent bien et puis je dirais très souvent que je tutoie beaucoup les anciens. Ça leur fait souvent plaisir. Je suis dans le village depuis toujours, donc je n'ai pas eu beaucoup de mal non, à convaincre tout le monde. Et puis, on a essayé de faire ça de manière un petit peu humoristique chaque fois qu'on a pu. Surtout que les gens se retrouvent dans leur image avec un petit côté naturel tant qu'on a pu.
Alors, vous l'avez dit, presque tout le monde a participé. Il y a eu une mise en scène. Est-ce que c'est vous qui l'avez choisi ou est-ce que ça s'est fait avec le concours des gens vous croquiez ? C'est souvent, c'est fait un petit peu ensemble. Hein. Moi, j'ai mon idée. Ce que je voulais surtout, c'est que comme on ne fait qu'une image par personne, il faut qu'on reconnaisse le métier très, très rapidement et que l'image soit la plus naturelle possible avec tous les critères de composition, de lumière que la photographie connaît. Hein, oui, c'est un sacré cahier des charges, ça, que vous aviez établi dès le départ. L'idée est partie comment ? Ben, l'idée, ça fait très longtemps que c'est un rêve un petit peu que je réalise. Je me suis dit un jour, il faudra faire un arrêt sur image. Ça fait 20 ans que je suis installé dans le petit village d'à côté qui s'appelle Beauchastel, qui est un village de caractère. Mais mon village natal étant Saint-Laurent-du-Pape, je me suis dit, il faut absolument faire un travail qui restera dans les annales. Oui. Alors, on a vu sur ces images votre maman. Est-ce qu'elle a fait partie des volontaires enthousiastes ou est-ce qu'elle s'est un petit peu laissée prier, on va dire ? Non, il n'y a pas eu beaucoup de mal parce que, bon, ma mère, tout le monde la connaît. Elle est facile d'accès, on va dire. Donc, il n'y a pas eu de soucis. Et puis, elle était tellement fière de cette exposition. C'est une exposition que je lui ai dédiée parce qu'elle a quand même 91 ans. Donc, je voulais absolument qu'elle participe dans les portraits. Donc, j'ai fait une exception parce qu'elle n'a pas un rôle actif aujourd'hui dans le village, mais c'était pour moi important. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un petit peu cabotiné ? Parce que quand on se retrouve devant un objectif d'appareil, on n'est pas forcément naturel, donc on peut en rajouter un peu. Il y a peut-être des gens qui ont été timides aussi. Oui, souvent je dis, vous savez, en Ardèche, on dit souvent que c'est au deuxième verre qu'on fait la meilleure photo. Donc ce qui est important, c'est d'expliquer aux gens ce qu'on va faire, et puis on prend un petit peu de temps, et comme tout le monde, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on redevient naturel, et puis l'image se fait toute seule. Hein. Il faut s'adapter à chaque personnalité, ça c'est le vrai travail de photographe qui a un sujet devant lui, c'est-à-dire que ça fait appel à de la psychologie ? Oui, c'est vrai. Je passe d'un sujet à l'autre qui est complètement varié pendant cette exposition, et à chaque fois, il y a une recherche personnelle pour se dire comment je vais aborder le sujet, hein. Mais j'avais déjà un petit peu réfléchi au sujet à l'avance, et puis ça s'est fait après naturellement. Hein. Alors, je sais qu'il y a une chose qui vous tenait à cœur, non seulement de faire ce travail, c'est-à-dire d'immortaliser les personnes que vous aviez en face de vous, mais c'était ensuite de leur montrer, de leur envoyer leur image, c'est ce que vous avez fait, c'est cette exposition, le vernissage a eu lieu il y a quelque temps, on va le revivre, regardez. Depuis plusieurs mois, la curiosité des papins était aiguisée. Quelques-uns ont bien essayé d'apercevoir les premiers tirages, mais le résultat est resté secret jusqu'au vernissage. L'exposition a été conçue comme un trait d'union entre les gens, un espoir de rencontre. Les Ardéchois sont méfiants. Mais par contre, quand il commence à connaître les gens, il se lie après pour toujours. Un Ardéchois est dur hein, de caractère, mais il faut que les anciens fassent des efforts pour accueillir les nouveaux. Et il faut que les nouveaux viennent au-devant, fassent partie des associations, de façon à ce qu'ils rencontrent des gens, pour que le village ne soit pas un village dortoir, et soit un village qui vive. Gisèle. Notre jeunesse. Notre sœur. Viens avec moi, je voudrais que tu viennes voir ton image avec moi. Là. On est parti. Alors on va aller voir le vigneron du village. Parce que non seulement on a fait l'image, mais on a bu un canon. Ça, c'est évident, ça. C'est évident. On ne peut pas y échapper. C'est grâce à moi que tu es là sur la photo. Parce que j'ai dit à Claude Fougérol que tu venais de t'installer là. Oui, on est arrivé. Alors donc il s'est dépêché, il est vite allé te voir. Ça fait deux mois qu'on est là. Ça fait deux mois, mais il ne savait pas. Est-ce que tu t'étais vu là ? Regarde encore, prise. Je me découvre. Regarde, ah, on a colorisé les saucisses. Je vois qu'il y a quand même le paquet. Hein. Il faut toujours casser son image. Le mec sérieux avec les petites moustaches, les lunettes et tout. Là. Voilà. Ça vous plaît ? Alors on l'a vu dans le sujet, Claude Fougérol, il y a vos photos, donc réalisées il y a très peu de temps, et puis il y a des photos anciennes aussi. Lesquelles ont eu le plus de succès ?
Oh, je crois que ça a été partagé, mais c'est vrai que les gens sont restés longtemps, sont même venus plusieurs fois, deux ou trois fois, pour se revoir dans les photos de classe qui dataient depuis 1930. Hein, donc les gens se retrouvaient, trouvaient leurs grands-parents, leurs parents. Donc ça a été un grand moment d'échange et les gens ont pris beaucoup de temps pour revenir en plusieurs fois. Alors pour quelle raison justement est-ce que vous avez décidé d'afficher vos photos et puis des photos anciennes ? C'est par modestie, par... C'est surtout pour faire quelque chose de complet. Il y avait en plus des photos d'hélicoptères, donc les gens voyaient leur maison vue du ciel dans un angle dont on n'a pas l'habitude. C'est pour que ce soit une archive complète sur le village, hein, et puis que ce soit une trace qui reste. Vous avez appris quelque chose en passant du temps dans les archives, puisque c'est vous qui avez ressorti ces photos anciennes ? Alors oui, parce que pendant l'exposition, on m'a amené tout un tas de nouvelles vieilles photos que j'ai continué à reproduire, donc l'expo ne s'arrête pas. On continue à reproduire des images anciennes sur lesquelles les gens nous font un commentaire. Donc on va essayer de garder le nom des gens, un peu l'historique de ces vieilles photos nouvelles qui arrivent. Alors comment ont réagi ceux qui ont été photographiés ? J'imagine que on a toujours peur de trahir un modèle. Alors est-ce qu'ils ont été tous satisfaits ? Il y a eu des petits regrets Oui, je dirais que quand il y a des reproches, les gens ne vous le disent pas forcément. Oui, ils le disent à d'autres, mais ça vous revient aux oreilles. Voilà, ça peut revenir. Mais non, je crois que globalement, les gens étaient contents. Hein. Le but de cette exposition, c'est que les gens se rencontrent avant tout, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde tellement vite qu'on communique avec Internet, avec le monde entier, puis qu'on oublie tout simplement de parler à son voisin. Donc pour moi, c'est des choses qui me tenaient à cœur, de faire passer des messages à travers une exposition. Ça rappelle aussi peut-être le pouvoir de l'image, et pas que l'image de télévision. La photo reste un élément qui a du pouvoir. Ah oui, ça reste un élément qui a du pouvoir et ça reste un instantané hein, par rapport à tout ce qui peut être en vidéo. Pour moi, c'est très important de pouvoir palper une photo. Au jour d'aujourd'hui où on vit un petit peu avec le numérique et l'argentique, je pense que les deux vont marcher en parallèle encore longtemps, alors qu'on a l'impression que le numérique va remplacer l'argentique. Je dis c'est faux parce que quand on se souvient, quand la photographie couleur est arrivée, on a cru que la peinture allait disparaître et la peinture existe toujours. Donc pour moi, c'est la même comparaison. Et tout peut cohabiter, les appareils magnifiques comme celui que vous avez, je vous envie, vont continuer à exister. Effectivement, ce sont des appareils argentiques et non pas numériques. Merci Claude Fougérolles d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir fait partager ces moments intenses, on l'imagine. Penchons-nous à